qui est le RIC, présenté par Daniel Folio, vient du département Sartan, c'est-à-dire la Manche, un fils de Cross Rabot qui est né le 24 avril. Je répète, sa date de naissance est très importante, le 24 avril, notamment. Pour les. La mère est à Cap-Garde, et la mère est une fille de. First Handicap. Je ne sais pas si vous vous souvenez de First Handicap, mais je me souviens bien, en tout cas, c'était une super jument de course chez Luc Bellette et qui lui a permis de remporter l'une de ses rares victoires à Auteuil, parce que Luc Bellette était un entraîneur de génie, vous le savez, hein, le Viking, qui a malheureusement terminé sa carrière sur un accident. Et on va marcher, donc, s'il vous plaît. C'est moi qui avait gagné le Grand Cross du Pin, le prix du Télopé trois fois à Cran, de la Kazakh violette, Rémi, violette et jaune. Et bien, First Handicap, elle a gagné le prix Pierre Cyprès à Auteuil. C'est un événement extraordinaire parce que le Bellet ne va jamais à Auteuil. On va marcher, s'il vous plaît. Les butins souvent ses chevaux très tardivement, pourraient essentiellement voir uniquement en cross. Mais donc, First Handicap s'est imposé parmi ses 10 victoires à Auteuil en Pierre Cyprès. En hommage à l'un des fondateurs de la race équipée, Pierre. Et croisé à Cap-Garde, elle a donné naissance à Agathe Autoroute, qui l'a malheureusement pas connue, qui est devenue première, évidemment, et qui nous propose aujourd'hui son deuxième produit, un fils de Cross Rabot. Non, c'est Lâche-le, mais non, laisse-le en liberté si tu veux. On va trotter au trot, s'il vous plaît. Vas-y, tu peux marcher, un peu plus énergique, et puis on va trotter aussi. Mais bon, j'avoue qu'elle est tellement pas gentille avec moi que j'ai pas avancé dans son sens tout de suite. Allez, on va trotter un peu, ça va donner de l'énergie. Allez, passez-moi ça. Mais bon, je vais attendre de manger. Allez, encore un petit tour, on y va. Vous avez la chance de piste en périphérique, c'est plus facile pour toi. Pierre Doré, qui nous finit son tour, un fils de Cross Rabot. Donc je vous rappelle la date de naissance, le 24 avril, et d'ailleurs il porte le numéro 24, le fils de Cross Rabot, à récupérer par Cap-Garde.